Salam alaikum, bonjour, et on continue notre troisième leçon parce qu'on fait un thème sur trois lettres. Donc là, on va finir la troisième lettre et après la troisième lettre, pour ceux qui suivent, les kids bon, qui après trois lettres, il y a une révision que vous faites chez vous. Voilà. Donc, on continue le thème et le vocabulaire qu'on fait aujourd'hui. On continue sur le thème du al-waqt ou bien al-zaman, le temps. Et les mots qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelquefois, en arabe, c'est ahyanan. Souvent, en arabe, c'est ghaliban. Rarement, en arabe, c'est nadiren. Et maintenant, c'est l'an. Voilà. Donc là, on a fini notre thème du quelques vocabulaires concernant Zaman. Et là, on va faire notre lettre. Et notre lettre, ça va être harful qaf. Et on la prononce a. Et c'est vrai que la prononciation du qa, un peu, il faut travailler. Donc, c'est harful qaf, harful qa. Donc, voilà, la prononciation, c'est vrai que il faut, on va dire, répéter plusieurs fois pour savoir la prononcer. Donc, harful qaf, et harful qaf, c'est celle-là. On a dit que toujours la lettre, c'est écrit en rouge, et c'est harful al-qaf. On l'écrit, on lit A. Voilà, comme ici, Iqra. Donc c'est ici, c'est écrit Iqra. Voilà. Donc voilà, je vais approcher un petit peu le tableau. Voilà. Je crois comme ça, c'est mieux. Et c'est parti. Donc, on commence comme d'habitude, avec les voyelles courtes. Et c'est parti. A, qu, qi, qun. A, qu, qi, qun. Donc, voilà. Et là, on va passer au mot. Et là, on voit un singe. Et en arabe, c'est Qirdun. À côté, il y a une vache et c'est Baqaratun. Et on finit par des oranges. En arabe, c'est Burtuqalun. Voilà. Donc, pour les phrases, c'est Nesnesun, c'est ce singe, il s'appelle Nesnesun. Qirdun, donc Nesnesun, c'est un singe. Nattatun, c'est qu'il sautille. Voilà, donc Nesnesun, Natta, il a sauté. Fatasallaqa, et après il a grimpé. Unuqa, tasallaqa. Unuqa, le cou. Unuqa, c'est le cou. Zarafatin, de la girafe. Pourquoi il a sauté sur le cou? Liyatanawala, pour prendre. Liyatanawala, pour manger plutôt, ou pour prendre. Burtuqalatin, pour prendre une orange, c'est burtuqalatin. Kabiratin, et kabiratin, c'est une grande. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a dit, ça dépend du le mot, soit il se termine par on ou bien il se termine par n. Comme ici, on voit quand il y a des oranges, c'est burtuqalun. Et dans la phrase, on était obligé de mettre le fta, tenouin bel fta, et on a dit burtuqalatin kabiratin. Il y a toujours l'accord avec le mot. Donc voilà.
notre lettre harful qaf, et bien sûr après la fin de la lettre on a la révision, et elle est là, la page de la révision. Je vais rester un petit peu comme ça, vous pouvez la prendre en photo, une capture écran, donc voilà. Je suis arrivée à la dernière, on va dire, chaque trois lettres, il y a une révision. Donc voilà, c'est la révision. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Allahu frascom. Et toujours avec amour, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.